Et bonjour à tous, c'est Darklink. Aujourd'hui, nous continuons la suite des Volants 2, la 40e partie déjà, 40 tourons, c'est incroyable. Et donc, comme vous pouvez le voir précédemment dans la vidéo, j'ai activé les 3 Magélites, il me reste plus que la dernière. La Magélite ou le Magélite, on dit? Ah, on dit le Magélite, ah, bon sang, je me suis trompé. Faut que j'arrête avec mon accent allemand? Pas possible, ça! Pas possible! Bon... Alors, je suis un peu perdu, je sais pas trop dans quelle direction il faut aller. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette musique, c'est apaisant, je trouve. Très mystérieux, apaisant. Tout ce que vous voulez. C'est très étrange, voyez-vous. Je suis perdu, au secours! Je viens d'en bas, pourtant. Ah, allez, on va faire un petit peu de travail, hein. Parce que j'adore couper l'herbe. Ah, il me manque la tondeuse, mais comme j'ai l'épée, on fait avec les moyens du bord. Forcément. Ça se remplit les poches. Ah, mon dieu, mon sang, si c'était comme ça dans la vraie vie, si je pouvais trouver des billets en coupant l'herbe. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce qu'il faut que j'aille, là, pour la prochaine énigme? C'est pas clair. Alors, c'était pas par là. Ah, je sens qu'il va y avoir du découpage dans la vidéo, parce que là, je galère un petit peu, et je sais que les gens, ils aiment pas ça. C'est pas rigolo du tout. Ah, mais ça, je l'ai fait. Oh, putain, ça y est, je savais que j'étais perdu, je le savais. Vous voyez, je suis à 2-20. On peut pas marcher sur l'eau. Et là, on peut y aller. Ouais, c'est la dernière énigme, la troisième que j'ai résolue. Et la quatrième. Elle est où la quatrième? Ah putain, mais c'est où la quatrième énigme? Ah, vas-y, mais tu peux pas passer par-dessus les morceaux. Et la manette qui déconne un peu là, hein, me fait aller tout droit alors que j'ai pas envie, j'ai envie de tourner de l'autre côté, moi. Bon sang de bonsoir. Est-ce que ce serait par là, par hasard? Ah mais non, là aussi je suis déjà allé. Là aussi, je l'avais ouvert, le coffre. Il y a trois énigmes collées, mais la quatrième... Alors là... Moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de jouer à ce jeu, même si je râle de temps en temps. Vous me connaissez, je suis un grand râleur. Il faut que je joue au jeu facile. Je suis un peu comme Hooper. Il faut que le jeu soit facile. Sinon, je suis pas content. Qui se trouve, le dernier énigme? Où est-ce que ça se trouve? Ah, peut-être que c'est ça, en fait. Ah oui, voilà, c'est là, je suis sûr c'est là. C'est un peu compliqué, là. Ah, voilà, on saute. Ok. Je remonte ici. Je vais là, et voilà. Là, c'est le truc qui me fait un peu râler, mais bon. Si on regarde bien, il y avait un rebord qui m'empêchait d'avancer, donc bon, ça va. Je pardonne. Là, on peut pas sauter. Ah, il faut que je passe comme ça, en fait. D'accord. Bah, c'est pas compliqué. Par là, évidemment. Ah, d'accord, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ok, à mon avis, faut remettre ça comme ça. Monter l'escalier. Ah oui, voilà, je monte l'escalier et je tape le truc, là. Avec Fina, oui. Parce que c'est avec Fina que ça marche. Voilà, c'est vrai, ça. Faut pas l'oublier. Ah, putain. On va passer par là, pas de panique. Tout est sous contrôle. Voilà, très bien. Et là-bas, il n'y a rien. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah il est là-bas, le coffre. Ouais, c'est bien ça. Ça va, j'ai pas trop galéré pour trouver. Non. Là non plus. Ah. Ah, attendez. Attendez.
comme ça. Oula. Ah, j'ai failli tomber. Ah, voilà. Sauf que j'étais déjà allé là, comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, ça y est, je suis perdu là. Il y a un truc là-bas à taper, mais. Attendez, examinons un petit peu le truc là. Ah, non, ça marche pas. Aïe, 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 on va trouver, pas de panique, on va bien trouver un moment ou un autre. Bon, bah c'est bien celui-là qu'il faut taper alors, mais après... C'est après que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Peut-être. Attends, je réfléchis là. Ah. Ah oui, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Non, allez, calme-toi. Non. Ah. Mais c'était pas là. Attendez, attendez. Attendez, là. Je suis en train de faire n'importe quoi. Oh là là, ça y est. En plus, il fait des trucs bizarres, là. Merde, j'aime pas galérer comme ça. Il faudrait que j'atteigne le truc là-bas, mais... comment t'es censé aller de l'autre côté, là? Attendez. Comme ça. Putain, je réfléchis, mais... C'est compliqué de réfléchir quand on s'appelle Darklink. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ah, ça y est, je vais galérer. Je vais galérer, ça va être amusant. Mais merde, comment je fais? Oh putain, c'est pas clair. C'est pas clair. Comment t'es censé aller en bas pour atteindre ce truc et pouvoir atteindre le coffre? Il y a un problème de perspective en fait. Je comprends pas tout là. Ah. Attendez. Est-ce que j'ai fait un bon truc ou j'ai fait un mauvais truc? Ah non, il veut pas. Monsieur, il a décidé qu'il voulait pas. Et là, je suis en train de retourner en arrière, en fait. Non? Ah, mais putain. Oh là là! Mais je fais n'importe quoi! Retournez là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Aïe, 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 elle va être palpitante, hein, la palpitante, la vidéo, hein, elle va être palpitante. Quatrième énigme, je galère, évidemment.
Ah ça, hein. Calme-toi, calme-toi. Ça va bien se passer. Oh là là, ça m'énerve. Ça m'énerve de tourner en rond et de pas trouver comme ça, là. Putain. Ça y est, là. Menos, ça marche pas, évidemment. Regarde, j'ai juste à faire ça avec Menos, mais non. Ça marche pas. Kaifina, ça marche. Putain, sans déconner, quoi. Ça y est. Putain, mais je suis si con que ça, ou quoi? Comment ça se passe? Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, c'est intelligent. Bon, allez. On va se calmer. Tout va bien. Il suffit de faire comme ça. Comme ça. Et ensuite, t'es censé faire quoi, là? Ah! Ah! Il y avait l'escalier qui était caché, évidemment! Je ne l'avais point vu! Évidemment! Sinon, ce n'est pas drôle. Ah bah voilà. Où étaient les difficultés? On se le demande. Eh bien voilà. Tout est clair maintenant. Alors on va faire une petite sauvegarde avant. Ah bah il y a Velvet qui sort de mon corps pour me féliciter. J'espère que c'est la dernière étape. Et en même temps, je commence à avoir peur de ce qui va se passer. Ensuite. Et toi, Dark, as-tu peur? Non. Je suis un vrai de vrai. Tu peux pas tester. Non, bien sûr. Tu es si fort, si courageux, si déterminé. J'aimerais avoir ton courage et ta prestance. Évidemment. Allez, allons-y. Qu'est-ce qui va se passer? Tout s'est calmé. Qu'est-ce que ça signifie? Oh mon dieu, il y a trois Dark... pas Dark Link, mais presque. Bonjour, bonjour. Allez, c'est la fête au village. Voilà, le boss. Oh merde. Ah ouais, pas mal. Pas mal le boss. Ça regorge l'idée, j'aime ça. Bon, il y a un peu de bourrinage, mais bon. Moi, la stratégie, c'est d'essayer de se planquer à gauche, à droite, se frayer un chemin. Voilà, voilà. Et là, je tombe. Ah, pas mal l'arène de combat, là. Bon, il fait un peu mal. Ah, d'accord, j'ai compris. En fait, il faut qu'ils soient noirs pour pouvoir les toucher. Parce que s'ils sont transparents, évidemment, on peut pas les atteindre. D'accord, très bien. Vous voyez, là, je les touche pas. Faut que j'attende qu'il y en ait un qui soit noir. Qui soit pas transparent. Voilà. Là, il y en a deux qui sont pas transparents. On bourrine, évidemment. Ah bah oui, il faut sauter. Bon, là, je crois qu'ils vont m'avoir. Ah, pas mal du tout, ce boss. Pas mal du tout. Sympa, sympa. Ah, les développeurs qui ont créé ce jeu, ils ont géré quand même. C'est pas grave, on continue. Ah, ça aurait été plus sympa s'ils me mettaient directement au boss, parce que là... Bon. Allez, c'est parti. Deuxième round. Le trio des Dark Link contre moi-même. Bonjour, bonjour. Ah, c'est sûr, c'est plus facile comme ça. C'est pour ça qu'il change un peu le... J'ai compris le truc. Ah, ils ont tapé un truc qui n'existe pas. Comment ça se passe? Donc on se la donne. Mais je me demande s'ils peuvent me taper quand ils sont transparents.
Aïeul! Pardon. Tout va bien, faut pas s'inquiéter, tout est normal. Allez, petit coquin! Ah, ils sont malins quand même, ils me tapent d'en bas! Attends, je peux pas moi-même changer le truc là? Attendez. Arrête de bugger! Putain, mais. Évidemment, au moment où je le tape, il redevient transparent. Qu'est-ce que ça veut dire? De tricheur! Il est où le truc là? Mais laissez-moi tranquille! Non. Mais non! Mais enlève ça! Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai changé là-dedans? Sur quel bouton j'ai appuyé? Ah! Bordel! Ça y est, je suis perdu. Oh là 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 là. C'est parti pour le troisième round. Bon, cette fois, pas de quartier. Ah, c'est chiant qu'on puisse pas passer ça, là. Allez. Allez. Voilà. Si ma monnaie déconnait moins, ce serait un peu plus facile. Mais bon. Là, on fait avec ce qu'on a, hein, évidemment. Quand on branche une monnaie sur le PC. Lui, il tape un truc invisible, là, je comprends pas. C'est pas très clair. Ah putain, mais il arrive à me toucher, mais moi non. Mais... Ah, il m'a bouffé la vie. Il m'a bouffé la vie. Attention, ça va faire mal. Je vais crever. Pour la troisième fois. Je vais même pas enlever la moitié, quoi. En même temps, je vais essayer d'empêcher d'aller là-bas. Là. Ah, il est là le truc. Ah, d'accord, je l'ai vu, il est en haut. D'accord. Ah, en fait, je les touche pas quand ils sont comme ça. Il faut que je rechange le machin. Ah, il faut que j'arrive en haut. Ah d'accord, j'ai compris. Quoi? T'as pas le droit de tricher comme ça, je suis pas d'accord. Mais non, il m'a rechangé le truc. Mais putain, mais... Ah, il était juste là. Oh le con. Arrête de faire l'imbécile! Allez, on ramasse les XP. Ah, j'en ai gagné pas mal, je suis presque au niveau suivant. Eh bien voilà, maintenant qu'on comprend, tout va mieux. Et qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Attention, suspense. Ah, je suis un peu bourré! Et nouvel fragment de clé, fragment du temps. Évidemment, l'un des cinq fragments de la clé. Et je parie qu'en fait, celle qui nous a conseillé de réunir les fragments de la clé, c'est-à-dire celle qui est croisée hein, entre démons et humains, la jeune femme, on parie combien qu'elle va nous trahir, elle va se servir contre nous. Elle va s'en servir contre nous de cinq morceaux. On parie combien? Enfin, nous l'avons trouvé. Et je me suis pas spoilé. Je me demande bien comment nous allons faire pour sortir d'ici. Ah.
Ah, tu t'en es très bien sorti jusqu'ici. Tu vas trouver une solution, Dark. Bien sûr. Regarde ça. Tiens, on dirait l'appareil qui s'est échoué. Soit la machine qui avait mystérieusement disparu, la machine volante. Mais qu'est-ce que c'est que cette étrange machine? Il s'agit d'une machine volante. Je regarde un très mauvais souvenir. Et dire que je m'étais juré de ne jamais remonter dans un engin pareil de ce genre. Je me suis trompé. C'est génial! Vous pensez qu'elle a été fabriquée par l'inventeur, Sid? Et Dark, c'est le piloté? Enfin, c'est la pilotée? Ah, comment? Si on appelle ça le piloté? En tout cas, nous avons notre engin, notre moyen de sortir d'ici. Et grâce à cette machine, nous allons pouvoir voyager aux quatre coins du monde. Allons-y alors. Ah, on va faire encore une phase de... Beats'em'all, hein? De shoot? Ah non, c'est pas pareil. Utilisez le bouton d'attaque pour décoller ou atterrir depuis la carte. Ah, mais ça... Voilà, on se calme, on se calme. Enlève-moi ça. C'est où pour tirer? C'est où pour tirer? Ça rappelle légèrement une phase dans Super Mario Land. Super Mario Land... Ben je dis pas où pour pas spoiler, hein. Regardez, suspense, hein. Le jeu Super Mario Land qui était sorti début des années 90 ou fin années 80, je sais plus du tout. Sur Game Boy, voilà. Le graphisme c'était comme ça. C'est la vieille époque. Ben là on va où on veut en fait, c'est pas pareil que d'habitude. Mais seulement je sais pas où je dois me rendre. Ah ben au seul endroit où je pouvais pas aller. Ben voilà, on va aller au seul endroit où je pouvais pas aller. C'est logique. Mais c'était où déjà? Ah c'est génial ça. On va où on veut, c'est génial. Ah voilà. Je parie c'est là. Ah j'ai du mal. Un ancien volcan. Oui. On va y arriver, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Bonjour, bonjour. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Non, je plaisante. Petit coquin, va, petit Canada évidemment, Terminator 2. Tournez, tournez, tournez. Et encore tourner. Pour l'éternité. Grande instruction imminente. Fin du temps en cours de correction. Vraiment sympa cette musique. Mais vous êtes... Vous ne vous souvenez pas ? Nous sommes rencontrés au centre de recherche moléculaire. J'étais moi aussi candidat pour maintenir le cycle. Mais j'ai échoué au test préliminaire. Si vous êtes ici, vous aussi, alors j'imagine, bienvenue dans la résistance au projet. Merci. On peut pas casser les chars ? C'est inadmissible. Je suis pas content. Saviez-vous qu'il y a longtemps, un volcan est entré en éruption ici? Mais non, c'est dans le futur, ça. On a retrouvé sous l'eau des ruines datant de l'âge sombre. Il y avait un port, des maisons en pierre, des entrepôts, peut-être des marchands. Ah, peut-être, éventuellement. Très bien, ça ne va pas passer. Bon, ben... On va visiter les maisons.
Ah, elle est petite la maison. La plupart d'entre nous ont fui le centre de recherche moléculaire. Ce projet est en danger encore plus grand que la fin des temps. S'il aboutit, quel sens aura la vie? C'est la disparition assurée pour notre civilisation. La vie ne vaut la peine d'être vécue que si l'on est maître de son destin. Ah ça, j'avoue, c'est très important ça. Sinon, elle n'est qu'une illusion de liberté, un film que l'on se passe. Ah si, on s'imagine des trucs et qu'on n'ose pas se donner un coup de pied au cul pour le faire, hein. Voilà, comme dire bonjour à une fille qui nous plaît par exemple. C'est le message que nous allons diffuser pour alerter les dangers du projet. Hein? On peut pas casser ça. Ah, on peut pas rentrer. On peut pas aller là. Là, là, là. J'adore ce jeu, j'adore. Ce serait tellement bien si Hooper pouvait en faire une vidéo. J'ai fait un don de 20€ exprès pour ça en plus. Hooper, je t'en supplie. Découvre ce jeu en live. La grande destruction qui causera la fin du temps ne peut être prouvée scientifiquement. Ce n'est donc qu'une théorie héritée de l'âge sombre. Pourtant, c'est pour empêcher la fin du temps que le projet est en cours de construction. Cela pourrait bien causer notre perte à tous. Nous nous pensons des êtres doués de raison qui prennent des décisions de bon sens rationnel. Mais la plupart de nos choix sont en fait basés sur nos émotions. La peur est une émotion particulièrement forte. C'est pas simple. Mais si facile à inciter. Il faut aller où? Ah, là-dedans. Bonjour, bonjour, je m'invite. Alors là, on fait les 100 pas, on s'ennuie. J'ai eu une idée particulièrement troublante. Et si le projet avait déjà été activé? Je n'arrive plus à dormir depuis. Ah bah... Il faut compter les moutons. J'ai trouvé un vieux parchemin qui indique qu'un prophète parlait déjà de la grande destruction pendant l'âge sombre. Mais aucune mention de la fin du temps. Ce concept est peut-être apparu plus tard. Mais nous manquons de documents pour procéder à des recherches historiques sérieuses. Et de toute façon, la plupart des gens n'ont pas vraiment envie de connaître la vérité. C'est mieux de garder la surprise. Bon, je suis venu ici pour rien, il n'y a rien de particulier à faire. Ah! Attends, ça on peut pas le casser. On peut pas le geler non plus. On peut pas le geler. Bon, tant pis. Laisse-moi passer! Bon ben, j'ai fait le tour et y a rien. Je pensais trouver quelque chose, mais c'est bizarre ça. Ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être pas qu'il faut que je retourne à mon époque. Il y a autre chose à faire. J'ai eu la clé et tout, d'accord. Ah, il faut vraiment ramener les 5 morceaux à la femme là. J'ai pas envie moi. Déjà aller là. Oh, je sais plus. Et là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre extrémité là? Ah, ben il y a quelque chose. Bah, je suis déjà allé là. Attends, j'essaie de bien regarder, de comprendre. Je suis le chemin comme si j'étais en bateau. Hein.
Ça, j'ai dû le faire, tout ça. Ouais, j'ai dû le faire. Tout ça, je peux y aller. Bon. Il n'y avait rien d'autre, là, en bas. Bon, ben, il n'y a rien de plus. Ok. Il n'y a plus qu'à rentrer. Attends, c'était ici ou... Non, c'était pas là. Ah, ça, c'est la forêt des sylves. Ah, ben, je suis pas allé, voilà, ici, là. Je peux atterrir, ça pourrait être... Ah, voilà. Ça pourrait être intéressant. Ce changement de temps me surprendra toujours, oui, mais... Ok. Et là, ils disent rien d'autre, c'est... Ah, bon. Ok, il n'y a rien de spécial. Oh là là, il n'y a rien de spécial. Je me suis trompé. Ouais, il n'y a plus qu'à rentrer au vercail. Ah, d'accord, il va pas plus haut que les montagnes. Oh, j'ai déjà visité tout ça. Bon, allez, on va à côté. Bon, bah voilà. Bonjour, je suis revenu vivant. À quoi sert ce canon? Nous l'appelons le large Hyperion canon. C'est simple, voilà, je crois qu'elle a oublié qui j'étais. Non. Oh, vous avez l'autorisation de le... Ah oui, j'ai déjà fait. Ah, bon. Elle n'est pas surprise que je sois revenu vivant. Tant pis. Il n'y a plus rien d'autre, hein. J'ai rien loupé. Extraordinaire! Tu as récupéré le fragment du temps. Jamais je n'aurais pensé qu'il se trouverait dans l'anomalie. Seul toi, Dark, étais capable d'aller le chercher là-bas. Je suis heureuse de t'avoir choisi. Nous partageons un destin commun. Tu as rassemblé les 5 fragments de la clé magie? Retrouve-moi au plus vite, nous devons l'activer pour effacer l'arme de la trame du temps. Effacer la trame du temps! Enfin, l'arme de la trame du temps. Oh là là. Ah, faut que j'apprenne à parler, moi, parce que ça va pas, hein. Ça va pas du tout, hein. Oh, les papillons, ça me rappelle ma jeunesse. Oh là là. Il faut que je retourne. Regardez-moi ces papillons, comme ils sont jolis. J'apprécie la beauté de la nature, franchement. Au moins ici on trouve pas des déchets, hein. On trouve pas les sacs plastiques, et etc. Au moins ils sont propres, les gens. Ah, tu veux te défier? Ah, j'ai une carte à gagner. Ah, vous avez entendu parler de Dark? C'est qui ça? C'est quoi? Ça se mange? Non, je vais pas parler avec toi. Je veux te défier. Mais non! Ah, oh, putain, voilà. Voilà ce qui se passe quand on appuie trop vite. Non. Je veux te défier. Prêt pour une partie de Game of Thrones, carte? Oui. Allez. C'est l'heure du duel! Alors ça, déjà, on va le virer. Ça aussi. Et ça, on va... pas l'utiliser maintenant, évidemment, parce que je n'ai pas assez. Aïe. Tu voulais me niquer, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Ça, ça va pas faire très mal. Tiens, prends ça, saloperie. Eh oui, j'attaque directement ses points de vie. C'est comme Yu-Gi-Oh!
Soit t'attaques le monstre, soit t'attaques directement ses points de vie quand ils sont pas protégés par les monstres. Ça fait vraiment penser à ça. C'est bien fait quand même. Ah et voilà, Non. Voilà, on va le mettre comme ça. C'est bien parce que là, voilà. Là, je vire vraiment les monstres faibles pour me remplir un maximum de saphir, là, le truc bleu. Aïe. Oui. Ça va, il est costaud, Minos. Ouais. Super, j'ai des cartes invisibles. Ah, cette fois, je le précise. C'est un piège. Je parie que c'est de la fourberie. Non. On va virer plutôt la chauve-souris. Ah, ça on peut pas l'utiliser, je sais pas quoi là, parce que c'était complètement invisible. Ah, c'est vraiment sympa ce jeu. Ah, lui aussi il a une carte invisible, parce que là tu peux pas mettre un monstre derrière comme ça, là c'est vraiment... Voilà, vu qu'il a un monstre faible, lui, je peux me permettre de le placer là. Ah mais c'est vrai qu'il a un monstre, on sait pas lequel. Mystère et boule de gomme. Pour avoir plus de saphir, j'ai 3 saphirs, ce qui fait que je peux mettre ce monstre sur le terrain. Allez, dégage! Allez! Il a plus que 3 vies. Ah, il a carrément seed. Aïe! Non, ça, on va le virer. L'ours aussi, comme ça. Je peux toujours pas utiliser ça parce que j'avais pas assez de saphir. Moi je sais plus exactement comment ça s'appelle, hein. Peut-être la mana. Tu as eu beaucoup de chance, tu sais. Tiens, tu as mérité cette carte. Ah bah j'ai gagné, j'ai même pas fait gaffe. Ah, j'ai obtenu l'inventaire. Carte de l'inventaire. Sympa ça. Ah j'avoue c'est intéressant. Parce qu'on va pas aller de suite voir le... Bah, attendez. Ah, ça te dit de relever le défi? Non. Mais on voit pas ce qu'il propose. Attendez. Attends. J'appuie sur les boutons parce que là. Ah voilà, là ça nous indique. Ah mais reste tranquille. Là ça nous indique le nombre en haut à droite. Ça nous indique le nombre de coffres qu'il y a trouvé et le nombre de duels. Qui a à faire, c'est-à-dire j'ai 3 personnes qui veulent me lancer un défi sur le duel des cartes. Et en haut à gauche, on voit le pourcentage de... voilà, de finition. C'est pas à parler, je sais pas comment dire ça, mais... Mais lui, je vois pas... Ah, un défi de machine volante. Ah bah oui, j'ai pas vu. Bonne chance. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir encore la musique? Oh ouais, cette musique, c'est génial! Ah, c'est trop génial! Ah, mais en fait, j'en fais exactement le même truc que ce que j'avais fait avant. Ah, j'adore cette musique. Une de mes musiques préférées dans le jeu. À mon avis, il faut essayer d'aller le plus loin possible sans mourir. Bon, cette fois-ci, on n'oublie pas d'utiliser les... Voilà, nickel. Allez, on fait un peu de Ménos. Que j'arrêtais pas de mourir avant parce que j'avais pas pensé à utiliser. Allez, je vais me taire un petit peu, je vous laisse apprécier la musique. Allez, le cœur. Mais j'arrête de monter tout seul. Ah, oh, cette manette qui déconne. C'est pas possible. Oh Dieu. Ah, je n'arrive pas à détruire un seul et petit ennemi de rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Attention, là, attention. Ah, il m'a niqué! Ce n'est pas grave, tu peux toujours réessayer quand tu veux. Ok, bah ce sera plus tard. Hein. Voyons, il n'y a pas d'autres personnes qui veulent... C'est un défi.
Non, il n'y a rien. Ah, j'ai beaucoup de retard sur les défis parce que j'ai zappé presque le monde entier. Parce que j'ai estimé que bon, j'ai montré le jeu, j'ai fait une vidéo spéciale où je vous montre le jeu. Après, c'est un peu pareil, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit un peu les. On voit un peu différentes cartes, quoi. Différentes puissances de cartes et tout. Bon, lui, il veut pas. Allez. Ah, voyons, j'ai 2 points. J'en ai un qui est pas loin, qui est juste en bas, là. Ah oui, lui, on peut le défier. Ah non, je me suis trompé de bouton. Faut appuyer en bas. Ah. Moi, j'appuie en haut pour parler, et le bouton du bas pour lancer un défi. Et c'est parti! Montre-moi tes cartes. Alors, lui, il faut 7 mana. À mon avis, c'est un mana. Lui. Ah, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, il est vraiment monumental, ce jeu Evoland 2. Il est vraiment génial. C'est incroyable. Quand même, hein. Bon, lui, on va directement attaquer ses points de vie, c'est pas grave. Allez, ah bah, le cœur, on peut pas l'utiliser. Un chauve-souris pour nous défendre. Voilà, aïe. Ah, oui, il a beaucoup de. Ah, j'avais pas fait gaffe, il avait 40 points de vie. Alors, moi, j'en ai vu que 20. Il a le double de moi. Ah, oui, il a des cartes puissantes quand même, hein. Menos. Non, bah. Bon. Lui, il a beaucoup de. On va mettre l'inventaire ici. Ah, oh, mais non, je peux pas l'utiliser. Bon, ça va, je lui fais bien mal avec le roi Lothaire. Génial. Ah, bah, ça, c'est. Ah, oui, il a des cartes puissantes quand même. Et encore des cartes invisibles, vive les bugs. Ah! C'est bizarre, ma chauve-souris, elle est bien résistante quand même. Putain, j'ai plus beaucoup de points de vie, il va me niquer. Je crois que lui, je devrais venir l'affronter plus tard, parce que là. Allez, on va mettre ça là. Ça ici pour défendre mes points de vie. Là je n'ai plus que 4. Tiens. Tiens. Ça c'est ce que j'appelle un vrai combat. Ah mince. Il a viré moi. Allez, on va mettre ça là. Oui, je peux pas. Ah, je peux toujours pas. Allez, tu vas la voir. Ah, il m'a viré. Allez, vite, d'autres cartes. Super. Très bien. Voilà. C'est bien les cartes invisibles. Hein. Les 3 cartes invisibles. Pas du tout ce que j'avais. Et pour l'instant, j'arrive à bien protéger mes points de vie, ça va. Et pourquoi il attaque pas le roi Lothaire? Voilà. Ah, apparemment, Minos. Ah, bah oui, avec son attaque super puissante qui fait un nombre de chocs, je peux attaquer les deux directement. Et il m'a niqué. Ah, il rigole pas, hein, ce personnage. Il rigole pas. Hein. Bon, et toi, tu vas m'affronter? Apparemment, non. Voilà, on va chercher vite fait parce qu'on est déjà rendu à 45 minutes. Alors, on va s'arrêter là.
Ness, tu veux m'affronter, Ness? Non, tu vas pas. Aïe, 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 aïe. Bon. On va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur Evoland 2. Voilà. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.